Ouais, salut à tous, vous êtes toujours sur le 106.3, c'est Fréquence Paris Pluriel, FPP pour ceux qui connaissent bien. D'année en année, de rapport en rapport, il y a toujours une annonce que ce sera pire que prévu et ça va d'année en année comme ça. À Fréquence Paris Pluriel, on donne la parole aux sans-voix depuis 25 ans. Plus qu'une radio, cette association joue un véritable rôle dans le maintien du lien social dans le 19e arrondissement. Mais aujourd'hui, son avenir est menacé, notamment par la suppression des contrats aidés et la baisse des subventions. Chaque année, ça baisse. Et on n'est pas très coûteux, à part nos frais d'électricité et de temps en temps du renouvellement de matériel, puis nos emplois, mais vraiment, on n'est pas une radio qui flambe, quoi. Là, il y a les murs qui sont en train de s'écrouler. Même pour couvrir les frais de fonctionnement, ça devient, on devient hyper ric-rac, pour ne pas dire bientôt en déficit. T'es obligé de défendre ton bout de gras, ce qui met en plus les associations en concurrence les unes avec les autres. Malgré ce constat alarmant, bénévoles et salariés cherchent des solutions, mais pas à n'importe quel prix. C'est facile d'avoir des subventions par un député ou un maire, mais il va demander d'aller dans son sens. Et nous, ça marche pas. Ne pas rentrer dans le moule, mais surtout, ne pas céder à la facilité. On ne va pas rentrer dans leur jeu, c'est-à-dire que nous, on ne fera pas de la radio publicitaire. Ça, c'est clair et net. C'est-à-dire que s'il faut qu'on se batte encore 25 ans, on va se battre pour 25 ans, parce que nous, notre démarche, pas de publicité. Financement participatif, soirée de soutien, appel aux dons, Fréquence Paris Pluriel envisage toutes les possibilités pour sortir la tête de l'eau et rester sur les ondes.